Bonjour, je vous fais une vidéo rapide. Pour cette vidéo, il vous faut la graine du diable. Une seule graine. Il vous faut une pierre de rêve de Bethléem. Femelle, pas mâle, que ce soit pour homme ou femme. D'accord ? Femelle, une pierre. Hein. Ensuite, il vous faut un petit morceau de pierre d'Alain. D'accord? Et vous allez réunir tout ça. D'accord? Ensemble, sans les écraser. Vous les laissez en petits morceaux. Et vous allez prendre un papier bleu. Bleu, il faut qu'il soit de cette couleur. Ni trop foncé, ni trop clair. Par contre, chez les Arabes, ils vendent le morceau de sucre enveloppé de papier bleu, j'allais dire papier peint. Vous savez, le gros morceau qu'on offre pour les mariages arabes, eh bien, il est enveloppé. C'est encore mieux ce papier. Mais si vous ne trouvez pas, vous prenez un papier, mais non souligné. Il ne faut pas qu'il y ait, il faut un papier bleu uni. D'accord? Vous allez prendre le papier, d'accord? Vous allez écrire tout votre souhait, tout ce que vous souhaitez. Pour mariage, tout. Vous mettez, d'accord? Ensuite, vous allez mettre les graines dans le papier bleu, vous allez l'envelopper et vous allez lire première fois, une seule fois, Suratu al-Fatiha, le verset de l'ouverture. Une fois ou deux fois, ou trois fois ou sept fois, c'est toi qui vois. Si tu peux lire pendant sept fois, tu peux lire. Mais une fois, c'est largement suffisant. Tu vas prendre ton charbon, à faire tous les jeudis ça, l'après-midi. Tu allumes ton charbon, ton papier bleu, tout est écrit dedans. Tu mets les trois graines, tu l'enveloppes et tu mets dedans. Tu vas couvrir plein de charbon et tu laisses. Par contre, mettez quelque chose dessus parce que le charbon, la pierre de Bethléem, elle peut blesser. Parce que quand elle chauffe, elle saute. Elle peut te casser une vitre ou elle peut te blesser. Mets quelque chose dessus, le charbon, qui te brûle, qui brûle pas. Tu vas enlever tes bijoux, ton piercing. Et détache tes cheveux, une robe beige ou blanche, courte ou longue, peu importe. Et tu, par exemple, ça c'est le truc du charbon, et tu te mets là et tu laisses la fumée derrière toi. En lisant le verset de l'ouverture, tu peux le lire encore. Tu l'as lu la première fois, tu recommences trois fois, une fois ou trois fois ou sept fois. Ensuite, une fois que c'est fini, tu prends tout ce mélange-là. D'accord? Et tu vas l'enterrer ou le jeter loin de chez toi. Peu importe, mais loin de chez toi. Mais à faire tous les jeudis. Si tu peux le faire pendant un mois. Et le tabac, le suivi qui te porte malheur, là, ça va partir. Je vous dis à très bientôt.